Et bonjour tout le monde, c'est Revance, mais bienvenue sur The Division 2. Qu'est-ce que... Clan, il y a un truc. Il se passe un truc dans mon clan? Hein? Ouais, et... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est bien de me dire qu'il se passe des trucs, mais je m'en fous en fait. Boîte de réception, non, non, je m'en fous en fait. Ouais, mais qu'est-ce que je m'en fous? Nouveau projet disponible, je m'en fous aussi, hein, sincèrement. Maintenant que j'ai mon holster exotique, je m'en fous. Mais à un point. Attendez, je coupe juste ça. Voilà, comme ça j'entends quelque chose. Niveau stuff, j'en suis. Oh, bah tu entres bien. Sniper, allez hop. Allons sniper tout ça. Enfin, sniper, fusil. Donc, toujours sur l'épisode 1, The Division 2. Très bon épisode pour l'instant, à part le Kenley College, je suis pas fan. Mais il a faux cette mission. J'essaie de recaler mon filtre pop qui fout la merde et qui se casse la gueule. Je suis pas fan de la mission, mais il a faux bien. C'est l'ambiance qui me plaît moins. Les décors sont toujours aussi beaux, ça reste The Division 2. Alors quoi si j'étais de nuit, donc ça aide pas. Mais je sais pas, je suis moins fan. On a toujours pas localisé l'unité SHD mobile. Fouillez le site et trouvez ce serveur. Activation du protocole d'investigation d'Isaac. Bonne chance, agent. 2 semaines? Ok, d'accord. Protocole d'investigation activé. Les évaluations tactiques basées sur des données limitées peuvent contenir des erreurs. Le protocole d'investigation d'Isaac rassemble des données pour créer un écho afin de vous donner du contexte sur les investigations disponibles. Ouais, je crois que je l'avais compris, ça, c'était bon. Monsieur, je m'en fous. Ça, je l'avais compris, hein. Ça, y avait pas de problème. Donc ça, je l'ai fait. Mais il y a toujours ce putain de truc que j'ai pas réussi à ouvrir. On va y retourner 5 minutes. On va juste aller voir. Je vais me remettre en normal. J'aurais dû prendre mon stuff rusher, mais bon, tant pis. On va juste aller jeter un coup d'œil. Tant que j'ai pas d'ennemis, je vais essayer de repérer où est ce putain de truc. Il y a un interrupteur à activer à un endroit, mais lequel? De toute façon, je vais faire tous les bords de la map. Hein. Sachant que c'est un interrupteur qui est placé aléatoirement sur la map. Donc ça va être un peu chiant à trouver parce que vu la taille du truc. Ouais, vas-y, donne-moi l'écho. On s'en fout, je ferai n'importe laquelle. Une fois que j'ai ouvert le truc, je me casse. Investigation sélectionnée, merci. Explosif artisanal. Agent, menez l'enquête sur les explosifs artisanaux des parias pour savoir à quoi on a affaire. J'ai vu une tête là. Il est. Il est où le con? Voilà, donc là j'ai la porte. Donc là il y a un terminal d'accès qui a récupéré. Pour accéder à je ne sais pas quoi. C'est la quête? Séquence de détonation détectée sur la radio militaire cryptée. Les parias ont dû modifier les radios retrouvées par Proteus. Merde, c'était la quête. Dommage. Ah, il y a un truc là. Brouillage de toutes les radios sur cette fréquence. Échec du brouillage. Système anti-incendie détecté. Euh,
Non, là y a rien. La M60, frénésie. Ça peut être intéressant. C'est très court, mais ça peut être intéressant. Ça je m'en fous en fait. La récupération du bouclier. Dégâts des armes, c'est pas assez élevé, même si c'est du Petrov et ça m'intéresse. 20 balles explosives là-dedans, ouais, ça risque de faire un peu de dégâts. Donc là, pour l'instant, mon but, ça va être de chercher dans toute la salle. Je vais faire tous les bords de salle. Alp Summit, non, parce qu'il a pas assez de dégâts des armes. Bonus de soins, compétences, ruche, au revoir. En feu. Ça chauffe un peu, mais ça se passe bien. Ah, système anti-incendie inactif. Pression hydraulique incorrecte. Ce qui est bien, c'est que en ne voulant pas faire la mission, je fais la mission. Ok, donc là j'ai fait tout l'intérieur de la salle, ça c'est bon. Donc maintenant, enfin tout l'extérieur, tout le tour. On va le faire par élimination. La mission, je m'en fous, j'ai déjà faite, il n'y a rien d'intéressant dans cette mission. Là, on est d'accord, il n'y a rien non plus. Ok, donc c'est juste cette zone-là, donc je vais bien me trouver à un moment. De toute façon, on est d'accord que là, je peux pas passer, donc ouais, bon, j'ai pas tellement de choix. On va remonter, on va faire la zone là maintenant. Oui, bon, ça m'étonnerait que ce soit réellement dans les chiottes. Ok, maintenant venons au centre. Ça, c'est la vanne de flotte, donc ça, je m'en fous. Bon, mais allons ici. Pour l'instant, aucun terminal, rien du tout. Donc là, ça s'ouvre avec ça, ça je me rappelle. Voilà, j'ai déjà fait, donc ça c'est bon. Maintenant, retournons vers la porte. Putain, j'ai cru voir un mec arriver en face de moi. Le coup de flip que je viens d'avoir. Ouais, une calculatrice solaire, qu'est-ce que j'en ai à foutre? En fait, pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a apparemment une arme exotique qui est donnée quand on a fini ces trois zones.
Mais là, s'il n'y a pas un indice ou un truc, un terminal d'accès visible, ça va rendre les choses complexes. Que les terminaux d'accès, c'est cela. C'est certain en fait. Voilà, ça va très vite me gonfler. Donc, sur la dernière solution, quoi fouiller? Ah oui, si, fouiller. Dernière solution, Google. Ok, j'ai peut-être une solution, on va bien voir. Ok, gros tuyau. Je l'ai. Donc il m'indique pour ouvrir la réserve, l'interrupteur se trouve pas loin. Un gros tuyau part vers cette salle, beaucoup de végétation dans la salle. L'interrupteur se trouve au fond à gauche. La souris, merci. On va déjà se débarrasser des flammes, comme ça on sera plus tranquille. Et donc après, c'est par ici. Joli bac d'air qui a beaucoup de vie. Que je vais peut-être le prendre en fait. Oui, bon, j'ai marché dans le feu. Oui, j'ai pris feu. Et alors? Je sais même plus comment je rentre là-dedans.
Ces éclairages, ils me gonflent, vous pouvez pas savoir. Mais ça nique les yeux. Brûle, espèce de taré. Pression hydraulique rétablie. Système anti-incendie opérationnel à 100%. Donc une salle avec beaucoup de végétation, avec un interrupteur au fond. Il y a un gros tuyau qui rentre dans la salle. Ah voilà, gros tuyau. Voilà. Quel bordel. Après la mission, je m'en fous. Maintenant que j'ai ma salle, moi. Il faut le repérer, le machin. Donc, vous avez là. De là, en fait, il y a le gros tuyau qui part. Il faut suivre le gros tuyau. Et on a la salle. Avec donc des finas qui sont un peu dégueulasses. Et un ACR avide, mouvement de jazz, relote salvatrice. Bon, on peut le prendre. Hein. Juste histoire 2. Hein. 9, non. Donc, ça dégage. Dégâts de PM, ça dégage, merci. Au revoir. Reformation, au revoir. Bac d'Artuf, au revoir. En fait, là aussi, ce que je voulais vérifier, c'est si jamais ils n'avaient pas fait un truc du style... Comment vous dire ça? Faut récupérer la pièce ici, dans la salle cachée. Mais non, je sais que c'est important. Je m'en contrefous. Donc on se casse. Voilà, au revoir messieurs. Allons faire les autres zones. Non. T'es sérieux? Non. Non, 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 je vais me barrer. Au secours. Attendez, faut que j'arrive à sortir maintenant de cette zone à la con. C'est vraiment une des zones que j'aime le moins, celle-là. Quelle horreur! Donc la zone, la sortie, elle est. Il faut que je descende un peu plus au sud. C'est vraiment un spawn, mais cette zone à la con. Ah là, ça y est, je suis sorti, enfin, putain.
Par contre, pourquoi ils ont mis des planches sur les escaliers? Les escaliers sont anti-escaliers? Au revoir, messieurs, je me casse. Oui, c'est fait exprès. Merci, au revoir. Deuxième zone, bah, l'association étudiante de Kenley. Le chasseur approche de sa proie. Il voit sa proie s'enfuir et tire. Tire. Non, tire. J'ai touché Bambi, je crois. Non, j'ai tué Bambi. Oui, non. On va aller voir si on trouve le cadavre. Et ben voilà, la touche. Ça rapporte absolument rien, ce qui est complètement con, mais bon, enfin, si... Oui et non, c'est logique, oui et non. Qu'est-ce que... Pourquoi? Ah non, je me suis fait arnaquer, c'est pas dispo encore. Ah, ok. Dispositif électronique portable détecté. Hein? Vas-y, porte le drama. D'accord, donc là si je comprends bien le bordel, c'est que dans le Kenley College, c'est comme les invasions une par semaine. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être compliqué d'obtenir cette arme légendaire exotique. Donc on est d'accord, ça c'est verrouillé, ça c'est verrouillé, ça c'est verrouillé, il n'y a que ça et donc ça je l'ai fini. Base d'opération. Ça m'intrigue. Ouais, donc là, ouais, la planque secrète, elle est à peu près secrète, mais il faut falloir trouver cette merde. Et pour une fois, jeuxvideo.com m'a été utile. Hein. Pour dire si je suis allé chercher loin. Là, je parle mal, mais jeuxvideo.com, pour les astuces, c'est le site le plus inutile. J'ai chargé une équipe d'analyser les données que vous avez récupérées à Kenley College. Ouais. Et ils ont découvert une menace sur laquelle il va falloir enquêter. Allez voir Torres à la Maison Blanche. Torres. Zone de sécurité Torres. Détectée. C'est qui Torres? T'es qui toi? Goblin Nissan. Toi. Oui, bah, choix énorme. Tout ça, c'est pour vous. Donc toi t'es pas Torres. C'est peut-être le projet. Torres? C'est toi? Je vous en prie, agent. Aidez-nous. T'es qui? Chargé de projet. Non, j'en ai pas assez. Si tu veux, hein, je sais pas ce que c'est. Torres. Torres. Torres? Non. Dispositif électronique détecté. Ah, la souris, la souris. Oh putain. Le jeu qui lag. Pilote de drone. Mon jeu qui est en train de partir en couille. C'est Division 2. Où est Torres? Où elle est? C'est qui?
Je crois que je suis pas tout seul à la chercher. Non, Reddit, casse-toi. Non, non. Mais c'est qui ça? Je suis sur Reddit maintenant. C'est la pilote? On va voir ça. Putain, Reddit, l'épisode où je suis pas devant. Putain, mais c'est infâme, la souris qui est en train de m'abandonner définitivement. Qui est en train de bouffer une quantité de bande passante, je crois que l'épisode il va s'arrêter très vite. Torres, c'est toi? Cagny Collège est à une vingtaine de kilomètres d'ici. On y sera en arrière-temps. Ah non, ouais. Ouais, bah c'est ça, mais non, mais il n'y a pas un chien en fait. Ok, d'accord, donc oui, c'est juste la station de métro Canley qui sera disponible dans 1 jour et 12 heures pour moi. Puis après, il y a l'association étudiante de Canley. Et après, il y aura la dernière salle. Et donc là, on pourra obtenir ce qu'il nous faut. Bon, en attendant, vu que ma souris commence à sérieusement me faire chier, les gens, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Je vais relancer le jeu pour l'instant. Et trouver des trucs à faire. Bye les gens, c'était Revanse 1000.